Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cette grâce, l'amour que Dieu donne à chaque homme, à chaque femme, à chaque enfant, qui nous rassemble ce soir, unis comme des frères et sœurs. Bienvenue dans cette maison de prière. Merci pour ce geste de paix qu'est le fait d'être sorti de chez vous, rassemblé par la parole de Dieu. Merci aux fidèles des différentes églises et merci aux ecclésiastiques qui témoignent par leur présence et par leur parole de tout ce qui nous unit profondément. Alors pour commencer ensemble cette célébration, nous vous proposons de chanter le premier chant que vous trouverez sur le livret. « Ah, qu'il est doux pour des frères », donc c'est des paroles du psaume 133 ou 134 de la Bible sur une mélodie hébraïque. « Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer unis ensemble ». Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en nous. Il est écrit, le Christ souffrira et ressuscitera des morts le troisième jour. Et on prêchera en son nom la conversion et le pardon des péchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Merci, pasteur, monsieur le pasteur, qui nous accueillez dans votre église. Pour cette célébration en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Nous rendons grâce parce que nous sommes nombreux, parce que nos responsables sont présents. Rendons grâce, merci à vous, Monseigneur André 23, Père Arsenios qui représentait Monseigneur Emmanuel, retenu à Genève, Madame le pasteur Marie-France Robert, Monsieur le pasteur Jean-Charles Tenrero, Monseigneur Norvan Zakarian, Monsieur le pasteur Augustin Kumdabazaka, le révérend Mathieu Harrison, le père Yacoub Aydin, le père Girgis Lucas. Vous représentez la diversité de cette Église pour l'unité de laquelle nous prions ensemble. Nous célébrons aussi un anniversaire de centenaire de la conférence d'Édimbourg, qui était un moment important dans le cheminement du mouvement œcuménique, un moment fondateur, peut-on dire même, caractérisé par la nécessité, l'urgence de la mission, et donc de la nécessité de chercher les chemins d'unité entre chrétiens. Mais laissons maintenant à la prière sa place. Ô Christ ressuscité, toi le compagnon de route des disciples d'Emmaüs,
sois à notre côté sur la voie de la foi. Sur les chemins de la vie, à chaque rencontre, suscite en nous la compassion d'accueillir l'autre et d'être à l'écoute de son histoire. Ravive notre désir d'annoncer ta parole, qu'elle illumine et brûle notre cœur de témoin. Fais que ton Esprit Saint nous enseigne l'art d'expliquer les Écritures pour que les yeux s'ouvrent et te reconnaissent. Accorde-nous le courage de nous rendre vulnérables, afin que les frères et les sœurs rencontrés puissent, par nous, te connaître, et que nous puissions, par eux, te découvrir en vérité. Amen. Et nous chantons Alléluia pour accueillir justement la lecture de la Bible et qu'elle devienne ainsi parole de vie pour nous. Nous nous levons pour chanter cette Alléluia. Évangile de Luc au chapitre 24. Le premier jour de la semaine, des femmes vinrent au tombeau de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, deux hommes survinrent devant elles en habits éclatants. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre. Mais ils leur dirent : Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici. Il s'est réveillé. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il se relève le troisième jour. » Elle se souvint de ses paroles. Elles s'en retournèrent du tombeau pour raconter tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne, Marie de Jacques et les autres avec elle. Elles le dirent aux apôtres, mais ces paroles leur parurent une niaiserie et ils ne crurent pas les femmes. Pierre cependant se leva et courut au tombeau. En se baissant, il ne vit que les bandelettes qui étaient à terre. Puis, il s'en alla chez lui, s'étonnant de ce qui était arrivé. Or, ce même jour, deux d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 60 stades de Jérusalem, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et débattaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul qui, tout en séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci ? » « Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent : « Ce qui concerne Jésus le Nazaréen,
qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël. Mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont stupéfiés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles avaient eu une vision d'ange qui le disait vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient allés avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit, « Que vous êtes stupides, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Lorsqu'ils approchèrent du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour demeurer avec eux. Une fois installé à table avec eux, il prit le pain et prononça la bénédiction. Puis il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et ceux qui étaient avec eux, qui leur dirent, « Le Seigneur s'est réellement réveillé et il est apparu à Simon. » Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils s'étaient fait reconnaître d'eux en rompant le pain. Comme ils disaient cela, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi des doutes vous viennent-ils? Regardez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Palpez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair, ni eau, comme vous voyez que j'en ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils s'étonnaient, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé, il le prit et le mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il se relèverait d'entre les morts le troisième jour, et que le changement radical pour le pardon des péchés serait proclamé en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous en êtes témoins. Moi, j'envoie sur vous ce que mon Père a promis. Vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les emmena jusque vers Béthanie. Puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après s'être prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple et bénissaient Dieu.
Seigneur, ce soir, nous voulons être tout à la fois les femmes du tombeau, les disciples d'Emmaüs, les onze au milieu desquels tu apparais, et avec eux, nous te prions, ouvre nos cœurs et nos esprits à l'intelligence des Écritures. Donne-nous de comprendre les chemins par lesquels tu nous conduis à la lumière des commandements, de la loi, des prophètes. Ce chapitre de l'Évangile que nous venons d'entendre n'est pas simplement un itinéraire entre des lieux différents où des personnages ont la chance de rencontrer successivement l'événement de la résurrection, soit devant le tombeau vide, soit en cheminant, accompagné d'une façon qu'ils ne comprennent pas encore, par quelqu'un qu'ils n'ont pas reconnu, soit encore en étant visités par le ressuscité lui-même. Nous comprenons évidemment que cette itinérance, à travers les scènes successives que nous avons entendues, dessine pour nous un chemin spirituel. Où Dieu veut-il nous conduire et comment nous conduit-il? Et puisque nous sommes rassemblés dans la supplication pour l'unité entre les chrétiens et dans l'espérance de cette unité, est-ce que ces épisodes de l'Évangile éclairent notre attente et notre prière? Nous découvrons en tout cas que ce n'est pas l'unité de l'Église qui dévoile la résurrection, mais c'est le ressuscité qui construit l'unité de l'Église. La première expérience, le premier moment de la prise de conscience que le corps a disparu, est vécu par quelques femmes, puis quelques apôtres viennent vérifier, puis les deux disciples, comme emportés par un autre roman, continuent leur chemin vers Emmaüs, sans avoir connu la conclusion de ce qui s'était passé à Jérusalem. Ils reconnaissent le Christ, ils reviennent, et au moment où ils vont raconter leur histoire, Pierre prend la parole le premier et leur dit « Oui, c'est vrai, il est ressuscité, il nous est apparu. » Comme si ce chapitre de l'Évangile rassemblait en une sorte de mosaïque des fragments d'expérience du ressuscité. Comme s'il voulait nous faire comprendre que l'expérience de la résurrection est toujours marquée et définie par l'expérience humaine dans laquelle elle est vécue. L'expérience des femmes au tombeau n'est pas celle de l'apôtre qui vient au tombeau. L'expérience des disciples d'Emmaüs n'est pas celle non plus des onze. Et cependant, chacune de ces expériences a sa valeur et son authenticité. Il faudrait tellement qu'elles soient réunies pour qu'enfin on reconnaisse le Christ ressuscité. Mais il ne suffit pas que nous ayons ce désir de réunir des expériences différentes, des traditions, des formulations de la foi différentes. Il ne suffit pas que nous essayions de travailler
non seulement à nous écouter, à nous respecter. Il ne faut pas seulement que nous nous laissions conduire peu à peu. Pourquoi ne pas le dire ? À nous aimer. Mais il faut encore que cette convergence des aspirations, cette addition d'expériences et de traditions différentes soit scellée pour constituer un corps unique qui n'est pas la somme de nos corps, mais qui est le corps du ressuscité lui-même. Oui, l'unité des chrétiens nous est offerte, proposée, infusée par le Christ ressuscité lui-même. Et c'est dans la mesure où il est lui-même présent à son corps que ce corps prend sa constitution unique pour constituer l'Église. Comment non plus ne pas être sensible au cheminement des sentiments qui sont exprimés dans ce chapitre 24, de la stupéfaction, de l'incrédulité, de la crainte, et finalement, la plénitude de la joie au moment où il n'est plus là. Comme si chacune des rencontres qui ont constitué les étapes n'avait suscité que du trouble, de l'inquiétude, des doutes. Chez les femmes, chez les apôtres, chez les disciples d'Emmaüs, chez les 11 réunis, ils n'osaient pas y croire. Pensaient que c'était un fantôme, un esprit. Ils étaient dans le trouble et la crainte. Et c'est au moment où il les bénit et où il les quitte qu'il semble comme emporter avec lui leurs doutes, leurs craintes, leurs troubles, et qu'il les comble de la joie. Faut-il que nous apprenions nous aussi à découvrir la joie, non pas dans la possession immédiate de la présence du Christ, mais dans l'acte de foi que suscite sa disparition. Au moment où il a béni le pain, où il l'a rompu, reconstituant au bénéfice des disciples d'Emmaüs le geste même de la scène, leurs yeux se sont ouverts. Mais ça n'est pas simplement un artifice rhétorique. Ils se sont ouverts, mais il avait disparu. Il n'était plus là. Alors ils ont relu et nos cœurs n'étaient-ils pas tout brûlants tandis qu'ils nous entretenaient sur le chemin. Mais il n'empêche que l'accès à la réalité du ressuscité passe aussi par l'expérience de cette absence, de ce retirement. Tant qu'il est là, leurs yeux sont voilés. Et quand leurs yeux se dévoilent, il n'est plus là. Tant qu'il est avec les 11, on parle, on argumente même. Et ne vous rappelez-vous pas que c'est ce que j'ai fait déjà en vous donnant à manger, etc., etc. Et puis il les bénit, il leur promet le don de l'Esprit, il les bénit et il disparaît. Et eux, pleins de joie, remplis de joie, comme nous sommes loin de notre spontanéité affective, qui imagine que la joie des disciples était de tenir physiquement la main de Jésus, que nous sommes loin de notre imaginaire, qui pense que pour eux, qui le voyaient, qui l'entendaient, qui le touchaient, la foi était facile. Et pourtant, l'Évangile nous fait découvrir que la foi commence
quand ils ne le voient plus, quand ils ne l'entendent plus, quand ils ne le touchent plus, quand ils vivent de l'esprit. Dieu conduit son peuple d'une façon que nous apprenons à déchiffrer laborieusement à travers les Écritures. Comme Jésus aide ses deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, en partant de Moïse et des prophètes, pour essayer de leur faire comprendre ce qui est en train de se passer, pour essayer de donner sens, car vous aurez remarqué que ce ne sont pas les événements qui donnent sens. Les événements sont des faits bruts qui peuvent signifier aussi bien la présence que l'absence. Les événements, c'est un tombeau vide, mais un tombeau vide, ça ne veut rien dire. Les événements, c'est la crucifixion, mais la mort d'un homme, ça ne veut rien dire en soi. Les événements, c'est ce chemin qu'il parcourt avec lui, sans que pourtant il le reconnaisse. Qu'est-ce qui va permettre que ces événements, en eux-mêmes sans grande portée, vont devenir symboliquement des signifiants très forts? Le tombeau vide, c'est le signe qu'il est ressuscité. Le chemin parcouru avec lui, c'est la présence du Christ au long de la vie des hommes. Ce qui va donner sens, c'est la lecture que Jésus fait lui-même des événements, non seulement à la lumière de Moïse et des prophètes, mais encore à la lumière de ce que lui-même leur avait dit. C'est en rappelant ses propres paroles qu'il donne la clé d'interprétation des événements dont ils ont été les témoins. Si nous voulons vraiment déchiffrer vers où Dieu nous conduit à travers les méandres de nos histoires, c'est cette lumière des Écritures dont nous avons besoin pour éclairer les événements en leur donnant leur sens, en nous disant comment ils manifestent le Christ ressuscité. Et puis, l'accomplissement que nous ne pouvons pas oublier, ce qui avait été annoncé de la mort et de la résurrection du Christ, mais surtout, l'annonce de la mission vers l'univers entier. Tout n'est pas encore accompli. Tout ne sera accompli que quand la bonne nouvelle aura atteint le monde dans son ensemble et quand il récapitulera toutes choses pour nous faire découvrir comment déjà il accomplissait son œuvre à travers les chemins que nous parcourons, quelquefois les yeux bandés, ou le cœur enténébré, ou l'esprit fermé, bref, sans savoir ce que nous faisons. Un jour, je verrai, nous dit saint Paul, un jour je verrai, un jour le bandeau tombera, le cœur s'ouvrira, l'esprit sera disponible pour découvrir comment Dieu compte sur notre foi pour accomplir son œuvre en ce temps. Frères et sœurs, sur ce chemin tellement mouvementé et déchiré, que notre zone, pour employer un mot approximatif, notre ère culturelle a parcouru depuis plus d'un millénaire
pour essayer de comprendre, à la lumière des Écritures, qu'est-ce que ça veut dire que la tunique ait été déchirée. Qu'est-ce que ça veut dire que les frères se soient séparés? Qu'est-ce que ça veut dire que les chrétiens soient désunis? Tout ça, ce sont des faits historiques que nous connaissons, que nous subissons, dont nous portons tristement l'héritage. Mais le sens, qu'est-ce que ça veut dire dans la résurrection du Christ? Comment notre foi au ressuscité assume les méandres des divisions humaines pour se rassembler autour de celui qui est venu en disant « La paix soit avec vous ». Seigneur, ouvre nos cœurs à l'intelligence des Écritures, donne-nous d'accueillir cette paix comme un signe de ta présence, vivant et ressuscité pour le monde. Amen. Afin de laisser résonner en nous ces paroles pleines d'intelligence et de foi, eh bien, nous pouvons ensemble chanter ce cantique un peu inspiré par les paroles de François d'Assise. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Nous nous levons pour chanter les quatre strophes de ce cantique.
Jésus a dit à ses apôtres, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. Nous nous sommes réunis pour prier, nous avons médité la parole, nous avons entendu cette parole, nous avons reçu la paix de Dieu, nous pouvons dans un même cœur dire notre foi commune, mais nous n'avons pas forcément toujours le même texte, donc lisons attentivement le texte que nous avons sous les yeux. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, universelle et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour la rémission. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Le moment vient maintenant d'un geste de solidarité. Veuillez vous asseoir. La Christian International Solidarity va nous parler. C'est un organisme d'aide, de soutien aux chrétiens persécutés. Et puis, une autre part de cette collecte sera affectée à travers la Fédération protestante de France au secours des Haïtiens, très atteints, comme nous le savons tous. Merci. Merci. CSI France, en français Solidarité chrétienne internationale, est la branche française de l'association interconfessionnelle CSI, fondée il y a plus de 30 ans en Suisse par un pasteur de l'église réformée, Hans Tuckelberger, pour défendre les chrétiens persécutés dans le monde. Elle se définit aujourd'hui comme un mouvement chrétien de défense des droits de l'homme, de la liberté religieuse et de la dignité humaine. Je vais vous lire un témoignage qui vous permettra de situer notre domaine d'action. Il concerne les chrétiens du Sud-Soudan, que CSI aide depuis 20 ans. Il a été recueilli par Heidi, une des collaboratrices de CSI, au cours d'une mission au Sud-Soudan, où sévit, au XXIe siècle, au moment où je vous parle, l'esclavage, dans le sens le plus classique, le plus complet et le plus horrible du terme.
Heidi McGuinness vient d'accueillir, parmi plus d'une centaine d'autres esclaves libérés grâce à CSI, une jeune Soudanaise qui retrouve son village après plus de 10 ans de captivité. Elle s'appelle Nihibol. Elle raconte qu'à l'âge de 10 ans, elle était enlevée par les sinistres janjaouides de Omar el-Bashir, qui venaient de tuer tous les hommes du village. Attachée avec des cordes, elle a été emmenée avec d'autres femmes et enfants vers le nord du Soudan pour y être vendue à un maître arabe du nord. Pendant le long trajet à pied vers le nord, elle a été abusée sexuellement plusieurs fois par jour et jour après jour, elle, une fillette de 10 ans. La voix étranglée, Nihibol commence à raconter qu'elle a assisté pendant sa captivité à 2 exécutions. C'était le frère de mon maître, le propriétaire d'esclaves. Il a tranché la tête de 2 autres esclaves, une femme et un jeune. Je les connaissais. Il leur a tranché la tête et a suspendu les têtes à un arbre. Après, il m'a menacé, moi Nihibol, si tu essayes de t'enfuir, tu subiras le même sort. Après avoir subi la violence et avoir été abusé pendant 10 ans, Nihibol revient enfin à son village grâce à CSI. Elle a un enfant avec elle, elle le serre contre elle. Elle dit à Heidi, j'ai encore un fils, il a 6 ans. Elle hésite, puis désespérée, elle ajoute, mais je n'ai pas pu l'emmener avec moi, j'ai dû le laisser là-bas. Le jeune garçon de 6 ans a dû rester chez le propriétaire d'esclaves. La douleur de la mère est poignante, nous dit Heidi. Voilà, j'arrête là. Le rôle de CSI, c'est d'abord informer. Informer ce que les médias ne transmettent pas. Alors nous informons par un mensuel, vous avez les exemplaires à l'entrée du temple, et nous avons un site web qui s'appelle tout simplement csi-france.fr. Deuxièmement, inviter à prier pour ces malheureux frères en Christ qui vivent un calvaire seulement parce qu'ils sont chrétiens. Et troisièmement, aider matériellement ces chrétiens dans la détresse. Voilà, je vous remercie. Un grand merci pour tout ce travail et puis pour votre générosité. Donc peut-être faut préciser que l'aide à Haïti passera par donc la Fédération protestante d'Haïti. C'est vrai que malheureusement, après le premier cyclone qui n'était pas il y a très longtemps, ils se sont dit peut-être qu'on peut travailler et prévoir à la limite le cyclone d'après. Donc ils ont commencé à faire un accord entre la Fondation du protestantisme et la Fédération protestante d'Haïti pour voir comment ils pourraient, au prochain cyclone, participer à la reconstruction. Ils ne pensaient pas que ces accords qui ont été pris l'année dernière serviraient aussitôt, malheureusement, pour une catastrophe encore bien pire que celle que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Donc ces accords, c'est pas pour cet argent, c'est pas pour de l'aide d'urgence, parce qu'on ne sait pas tellement faire ça, c'est plutôt des organismes spécialisés ou l'armée. Par contre, c'est pour la reconstruction, pour les familles les plus touchées, au travers des églises. Voilà. Merci. Nous allons entendre maintenant, dans quelques secondes, un chant de facture orthodoxe qui va accompagner notre collecte et puis les personnes qui sont prévues pour les intercessions peuvent se préparer maintenant.
Merci au chœur orthodoxe dirigé par Cyril Sologoub. Et maintenant, nous nous associons aux intercessions qui ont été prévues. Dieu créateur et sauveur, nous te louons pour toutes nos communautés qui veulent confesser ensemble, par leurs paroles et par leurs actes, leur foi au Christ ressuscité, en qui nous recevons la vie nouvelle. Puissions-nous progresser dans nos engagements œcuméniques pour être plus unis dans l'action de grâce pour la création, comme dans nos actions concertées au service de la vie. Dieu qui a manifesté ta présence dans notre histoire, nous te rendons grâce de nous avoir accompagnés et donné ton Fils pour révéler ton amour et partager ta gloire. Guide les pas de tous les témoins de l'Évangile vers l'unité parfaite dans une écoute attentive et patiente des cultures et des personnes avec leur histoire. Dieu, que nous n'abandonnons jamais, nous te rendons grâce pour l'expérience de Christ, ressuscité des deux disciples d'Emmaüs. Fais-nous ressentir la présence de Christ, cheminant avec nous. Réchauffe notre cœur et éclaire notre intelligence, afin que nous soyons des témoins de ta présence agissante dans la puissance de sa résurrection. Dieu, de qui vient tout don parfait, nous te rendons grâce, car tu nous cesses depuis les origines de susciter de génération en génération, cette nuée de témoins qui nous ont transmis la foi des apôtres. Donne-nous d'être fidèles à cet héritage de foi et inventif, pour ouvrir ensemble les voies nouvelles de l'Évangile. Compassion, nous te rendons grâce parce que tu as réconcilié le monde par la croix de ton Fils. Fais croître en nous la foi, qu'elle soit pour nos églises et pour chacun et chacune de notre force, pour être dans le Christ et à son exemple, toujours plus solidaire des personnes dans leur vie, comme dans leur souffrance et leur mort. Espérance. Nous te louons pour la promesse de Jésus. Et moi, je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Vois les doutes qui assaillent nos cœurs sur le chemin de l'unité chrétienne. À l'exemple des pionniers de l'œcuménisme de la conférence des Davos en 1910, donne-nous le courage de dénoncer ensemble nos craintes actuelles et la prévoyance pour retrouver en cette année 2010 la confiance sur le chemin de l'accomplissement de ta volonté.
Et ensemble, maintenant, levons-nous pour chanter la prière que le Sauveur nous a enseignée. Restez debout et nous allons prier notre prière d'engagement. Prions ensemble. Seigneur, prends-nous là où nous en sommes actuellement et conduis-nous où tu veux que nous allions. Fais que nous ne soyons pas seulement les gardiens d'un héritage, mais les signes vivants de ton règne qui vient. Enflamme-nous de la passion pour la justice et la paix parmi tous les peuples. Remplis-nous de la foi, de l'espérance et de l'amour qui donne corps à l'Évangile et fais-nous un dans la puissance de l'Esprit Saint. Que le monde croit, que ton nom soit sanctifié dans notre nation, que ton Église puisse être reconnue effectivement réunie en un seul corps. Nous nous engageons à t'aimer, à te servir et à te suivre, non comme étrangers les uns aux autres, mais comme des pèlerins. Amen. Que le Seigneur, qui a vaincu les ténèbres par sa lumière, vous donne la paix. Que le Seigneur, qui a vaincu la mort par la vie, vous donne la paix. Que le Seigneur, qui a vaincu la solitude du monde par l'amour, vous donne la paix. Maintenant, le pasteur Stéphane Hervé va C'est le pasteur Tenrevo. Frères et sœurs, nous avons eu l'occasion de nous réjouir d'être témoins de tout cela ce soir. Rendons grâce que nous aurons encore au cours de l'année 2010 d'autres occasions d'être témoins de tout cela, à commencer par le matin de Pâques, le 4 avril, sur le parvis de la Défense, où, non pas exceptionnellement, mais régulièrement cette année, comme en 2007, la date de Pâques sera fêtée par tous les chrétiens conjointement, catholiques, protestants, orthodoxes. Nous sommes tous invités à 7h30. Ce sera la fin de la nuit de Pâques pour les orthodoxes, pour les catholiques et aussi pour certains protestants.
à nous retrouver sur le parvis de la Défense à 7h30 pour louer, prier, adorer et chanter ensemble. Nous aurons aussi l'occasion d'être témoins de celui qui a été envoyé, qui est mort pour nous, pour la défense des plus faibles, des opprimés, de ceux qui sont en difficulté, dans des traitements indignes. Un groupe œcuménique est à l'œuvre depuis plusieurs années sur la région parisienne. Il a pris le nom de « Pas en notre nom ». Il a été reçu parmi nous les deux années précédentes au cours de la veillée œcuménique. Quelques tracts vous seront distribués pour rappeler quelques rendez-vous au cours de l'année 2010, entre autres un colloque qui se tiendra à l'instigation du Conseil des Églises chrétiennes en France au mois de mars à l'Institut catholique. Aujourd'hui, le Christ ressuscité nous proclame « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». La bonne nouvelle de la résurrection de Jésus nous a été annoncée. C'est nous qui en sommes les témoins. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Donc après le chant que nous allons pouvoir entonner ensemble, reprendre le psaume 133 ou 134, « Ah, qu'il est doux pour des frères !» Après ce chant, eh bien, ceux qui pourraient rester quelques minutes encore, vous êtes invités à essayer de parler un petit peu à des personnes que vous ne connaissez pas, si possible de confessions différentes, pour se découvrir un petit peu et engager donc une suite fraternelle. Alors un verre de l'amitié va vous être porté dans cette église, dans ce temple, je ne sais pas comment il faut dire, et donc vous pouvez attendre que les personnes qui veulent bien donner un coup de main eh bien, aillent chercher un plateau avec des verres et des brioches pour vous l'apporter, avoir ce moment un peu fraternel ensemble. Ah, qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble.